Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode qui n'a pas un goût de poulet celui-là. Tu sais pas encore. On sait pas encore, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Comment guérir le mal de mer? Ce livre appartient au capitaine. Oh, c'est un bus sans pouvoir être coupé. Ah, on va pouvoir s'entraîner à faire tranchage. Oui, mais non, mais faut pas être jaloux de Cocoa. Oh là, Roll est super énervé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a? Roll fait une drôle de tête, quelque chose sent bizarre. Je suppose que... Oui, là, oui, ok. Là, c'est pas une bonne idée de regarder ce qu'il y a dans cette poubelle. Non, vaut mieux pas. Oh là là, je suis pas bien, là. Frotter le dos du capitaine. Oh, c'est bon, ça va aller. Oh là là, merci, ça va beaucoup mieux. Mais il s'aborde, toi aussi tu es venu apprendre une technique secrète, pas de problème, voyons cela. Moi je peux le faire. Oh, je suis désolé pour ton évolue, mais les techniques secrètes ne peuvent pas être apprises que par les humains. Quoi, tu tiens absolument à l'apprendre? Bah ça alors, c'est bien la première fois que je rencontre un Pokémon qui veut apprendre une technique secrète, pourtant j'en ai vu du pays. Quelle ardeur! Ouais bien, je vais lui enseigner ma technique secrète. Alors viens par ici. Alors, je vais t'apprendre comment tenir une hache dans les mains. Regarde bien comment je fais. Oh Bonsaï. Un TS tranchage. Alors, un petit bonhomme, qu'est-ce qu'il a vraiment retenu la leçon? Il ira loin ton Evoli et ton Pikachu. Maintenant que je lui ai enseigné le tranchage, il va pouvoir abattre les arbustes qui te barrent le chemin. Tu devrais essayer pour voir ce qu'on trouve à Carmen-sur-Mer. L'océan va lever l'encre. Bon vent, on se trouvera peut-être un jour à Carmen-sur-Mer. Genre, on a un pass pour venir ici, mais bon, allez, partez, c'est bon, on veut pas le vous voir. Et vous sortez en vitesse. Sortez de mon bateau. Sortez de mon bateau. Vous passez pour des marins, mais moi j'ai l'œil, je vous vois. Hein. M'aurez pas comme ça. Comme Sonic. Il a l'air trop content, ton Caninos. Oui. Alors, Goopix, il est cool aussi. Honnêtement. J'aime bien. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Il a tranché le machin à main nue, du coup. Voilà. Comme ça. Tchac. Il est trop fort, ce capitaine. Il est incroyable, capitaine. Ah bon. Oh non. Eh ben dis donc, t'es bien bavarde, Coco. Au revoir. Regarde, on nous laisse ici, on peut surfer. Tiens, bonjour. Mince alors. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici. J'étais tellement concentré sur mon dessin que j'ai pas remarqué que le bateau avait pris le large. Mais c'est terrible. Comment tu vas faire? Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mer de Kanto est si belle que j'adore. Je sens l'inspiration m'envahir. C'est peut-être en tournant dans mon art. Le début de la période bleue d'Oléa. Ok. Précieuse de Kanto, ça dit d'inventer ma belle team de Pokémon fées. Ah, moi je veux bien, mais quand j'aurai soigné mes Pokémon. La capacité de tranchage, tu peux t'en servir. Ah. J'ai une idée. Ah, c'est mystère, ça. Oléa! Alors, vous voulez affronter les Pokémon fées? Oui. Regardons ça comme ça, ça sera fait. Je vais faire l'esquisse de dont les Pokémon capables fées sont capables. Mais le résultat... Et elle va utiliser juste Rondoudou et Mélofée. Voilà. Ah, elle a l'air petite, quand même. Voilà. Tout le monde a l'air petit. Allez, c'est parti! Combat de Brony. Allez, Amandine, cette fois, je compte sur toi. Oh là là. En fait, j'ai un Pokémon qui flinche. Je fais bluff et après, coup de boule. Je fais rien comme dégâts, par contre. Voilà. Il me fait mal, par contre. Oh, je fais rien comme dégâts, tu fais comme moi, en fait. Oui. Sauf que moi, c'est stabé. Mais non, je fais pas des peurs, moi. Pourquoi tu... Oui. Bon, je suis mal si elle arrive à faire les 5 coups, par contre. Oh mince, il est pas mort. Mais non, mais quel tricheur. Bon, vous savez ce que ça veut dire. C'est l'heure de changer de rythme. Ah, tu peux faire une super attaque. Ça va juste le soigner, j'ai pas envie de faire ça. Vas-y. Oh, je vois le prochain Pokémon. Bah, entrave. Qu'est-ce que tu veux entraver un Pokémon qui dort? Mais qui dort, Dean? Ce proverbe lui convient vraiment. Le petit coup de fouet. Bah du coup, je pense que je vais prendre Nicochu. Je vais pas me poser de questions.
Ah mais non, c'est un Pokémon fée en fait. Oui. Bon, bah j'ai perdu un tour. C'est le temps que je commence, tu vois. Parce que je sais pas pourquoi, toi, ça a switché super vite. Encore une fois. C'est pas grave, parce que Evoli est dans la place, elle fait mur-lumière, donc ça va. Honnêtement. Ah, tu pouvais faire une super attaque. Je vais faire le super attaque, allez, vas-y. Quoi? Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était moi qui faisais protection. Je fais quoi? Ça fait protection, en fait. Bon, bah du coup, je vais rien lui faire parce que c'est un gros nul de Monsieur Mime. Oh! Oh, c'était. C'était un évochard d'assaut, mais de l'amitié. Je vais peut-être le paralyser comme ça. Je vais le flinch machin là. Oh là là, il fait trop mal! Oh, bah oui, du coup, tu fais des attaques spéciales. Ouais, mais je vais le paraflinch. Oh ah oui! Aouh! Aouh! Bon, bah j'espère que je vais l'avoir et que tu vas l'avoir. Moi je vais le paraffine, genre ça devrait aller. Voilà. C'est la bonne vieille technique, la technique préférée des Français. C'est une technique sans pareil, c'est sûr que voilà. Tu sais que j'ai paraflinch un Palkia avec un Jirachi. Ouais, mais en entier. Hein. En entier. Avec tête de fer. Avec tête de fer. Bélier, non. C'était incroyable comme combat. Ah, je veux apprendre tonnerre, ça y est. Oh. Ça y est, je vais pouvoir faire des attaques plus puissantes. Oui, je m'attendais pas à une puissance pareille, trop dingue. Mais une capsule d'argent. Une capsule d'argent. Oh, ton Pokémon et toi, vous êtes brillamment illustrés au cours de notre combat. Ça m'inspire un tableau. Quand le souffle créateur s'anime, le pinceau n'attend pas. Bon, eh bien, nous allons pouvoir continuer notre aventure. Salut, champion en herbe. La reine de Carmin-sur-Mer est juste ici. Si tu veux en atteindre l'entrée, il te faudra trancher le tronc de cet arbuste qui t'empêche d'avancer. Oh, mais je vois que ton petit Evoli s'y connaît en bûcheronnage. Vas-y, essaie de trancher l'arbre pour voir. Cette secret de tranchage. Il a tout coupé trop fort. Alors là, je suis scié, c'était du travail de pro. Maintenant, ton petit partenaire a tranché l'arbuste, il te reste plus qu'à partir à l'assaut de l'arène. Vas-y, je crois en toi. Pourquoi ça avait nanananin, genre comme si on t'avait donné un truc? Parce que c'est incroyable ce qui vient de se produire. Major Bob alias Mister Survolté. Oui, bon, je suppose que l'énigme est toujours nulle. Oh, quoique il y ait des poubelles rouges et bleues. Oui. Cela signifie peut-être que ce que cela signifie. Ce qui paraît incroyable. Alors, bon, on n'a pas de truc spécial ici. Major Bob a un surnom, on l'appelle Mister Survolté. C'est un expert de Pokémon électrique, ce qui ne préserve rien de bon pour les Pokémon vol ou haut. Fais également attention à la paralysie que ces Pokémon peuvent infliger aussi. Major Bob est très prudent, ce sera très simple d'arriver jusqu'à lui. C'est une poubelle rouge. Y'a rien d'autre. Alors que des détritus, dommage. Ah, il m'a vu. Ah, l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif d'être sous ses ordres. Je sais pas quel âge tu as, toi, du coup. Bon, Major Bob est très très vieux, je ne sais pas. Pikachu. Vous êtes niveau combien, du coup? 22. Ah oui. Ouais, Major Bob, il va être niveau je sais pas combien, lui, par contre. Wow. Ah. Son Pikachu est nul. Ah oui? Bah bluff, ça lui a fait autant de dommages. Eh bah dis donc, ça oh va. Non. Ah il t'a fait cage éclair. Moi je l'ai évité son cage éclair, c'est beau. Je vais pas pouvoir faire de flinch. Non pas oh le double pied. Bon ça va, c'est un double pied nul, mais... Double pied c'est nul de toute façon. Oh non, je vais... Ah là, tu vas je vais pas prendre de risque. Je pense. Mais ah non bah, carrément. Il y a plus de respect. Eh oui, par ma moustache, j'ai une guérison, moi. Vous n'en aviez pas, vous, les jeunes. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer des guérisons. Regarde-le, il veut faire cage éclair sur Dame Frésia. Ah bah oui, j'ai tout compris. Ah, j'ai raté, bon bah vive attaque. Bon, est-ce que je le... Est-ce qu'il va utiliser un machin, moi? Oui. Ah bah oui, sinon c'était pas drôle. Hein. Voyons. Voyons. Voyons, 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 voyons. À quoi cela sert d'avoir des...
guérison si c'est pour pas s'en servir. Mais non. Ça devrait être interdit. Allez, Brownie. Eh mais okay. il m'a fait le cage éclair. N'importe quoi. Ah bah moi il m'a eu aussi. Ah, j'ai réussi. Il m'a fait le cage éclair. J'ai réussi à passer la cage éclair. J'avoue qu'on dit le cage éclair, ça n'a aucun sens. Le cage éclair. Il m'a cage éclairé. Bon, écoute vous. Ouais, c'est bon. Bicac. Oh stop, tu as fait des preuves. C'est bon. Arrêtons-nous en là. Bon. Est-ce qu'on affronte tous les dresseurs pour être tranquille? Je voulais attaquer. Pourquoi il a un mégaphone dans la main? Je suis un poids plume, mais je suis bon avec l'électricité. Ben, tant mieux. J'avoue, qu'est-ce que ça va être? Qui hurle l'électricien? Oh non, pas électrode. Électrode? C'est juste un Voltorb. C'est pareil, non? Ben non. Ah bon, bah alors ça va. Incroyable, il est plus rapide que moi, mais pas toi, c'est bon. Bah moi je fais bluff en donc fait. Je sais. Je triche. Non! Mais carrément! Oui! Oh, t'as pas fait grand chose, ça va. Fais attention à toi du coup. Mais non, j'allais faire le lance-flamme là! Oh, je voulais faire le lance-flamme et lui il a fait. J'aurais pu faire tunnel au premier tour si j'avais su. Attendez, il me demande de changer de Pokémon alors qu'actuellement mon version est sous terre. Tu veux pas changer par hasard? J'hésite. Bon, il va exploser là, c'est obligé, il veut mourir, regardez. Non, quand même, je vais pas raison. Regardez, je le sais, je le vois. Ah non, c'est bon. Bon, je vais changer de Pokémon. J'ai fait le coup critique, bien entendu. Cela fait toujours plaisir de faire le coup critique au moment où ils sont... nécessaire. Bon, je vais enlever Cocoa. Je vais continuer sans changer parce que j'aimerais donner sa chance à. Je t'avoue, je devrais peut-être apprendre tunnel en fait. Je pense que je vais lui apprendre tunnel. Il aurait pu faire destruction quand même. Waouh. Ça l'a pas eu. T'as pas fait grand chose. Je vais switcher au cas où. Ah, Cocoa est quand même plus lente. Parce que bon, s'il refait destruction, Amandine survivra pas. Ce qui serait fort dommage. Ah, dommage, je ne l'ai pas tué en un coup. Inadmissible. Les petits météores, c'est magnifique. Trop mignon les petits météores. Ouais, je vais frimer. Non, pas les météores. Ne s'arrête-t-il donc jamais? Ah, il est grillé le Voltorb. Tant mieux. Bien, il reste un dresseur à battre. Ah bah. Incroyable. Vous m'avez vu, c'est pas un endroit pour les gamins ici. Et comment on gagne le badge si on peut pas venir ici? Mais c'est pas un endroit pour les gamins, c'est les adultes qui vont participer à la quête des badges, pas les gamins. Magnity, mais non, je ne peux pas vous contrer un Pokémon comme cela. Il vole. Tu ne peux pas lui faire tunnel, figurez-vous. Mais techniquement on peut. Oui, non, on peut, oui. Oui. N'a aucun sens, mais on peut, oui. Moi je brûle. Le bluff qui ne sert pas à grand chose. Ça te fait plaisir, c'est tout. Wow, il a fait mal. Ah, mais cette façon de creuser, Amandine est géniale. Wow! Bon, en même temps, c'est normal, il craint vraiment beaucoup cette attaque. Je suis sûr que j'aurais fait tunnel, ça aurait fait plus de dégâts, oui, mais. Et j'aurais pas perdu mes points de vie, alors que j'ai plus de potions. Surprise. Comment je vais soigner mon Pokémon? Bien en sortant de l'arène comme tout le monde. Ouais, alors. Tant pis, je vais utiliser une super potion. Oh, c'est une poubelle bleue. Il n'y a rien que des détritus à l'intérieur. Ah, un bouton au fond de la poubelle, c'est dingue, appuyons dessus. Hein? Bon, j'ai pas lu ce qu'il t'a dit. D'accord, et donc là, il faut que je fasse quoi? Une poubelle bleue, d'accord. Attends, ça a rien fait? Ah non, ok, les poubelles bleues, visiblement, c'est pas grave, t'as plus de jeu. Ah, moi, du coup, j'ai échoué. Ah, incroyable, c'est toujours les mêmes, en fait. Bon, il a dit quoi, le marin bleu, là? Bonjour.
Major Bob, lui, hein, il a mis des verrous doubles partout, voilà un indice. Le deuxième interrupteur est forcément devant, derrière, à gauche ou à droite du premier. Oui, bah ça... Attention, il faut que tu appuies directement. Ah, c'est bon, j'ai eu le deuxième bouton. Mais attends, du coup... Bah, c'est juste que là, t'appuies sur le premier bouton. C'est toujours le même. Oui. Du coup, c'est toujours la même réponse, en fait. J'avoue que là, du coup, ça veut dire quoi, là on c'est le même. C'est forcément celui en haut. Oui. Alors, je sais pas si c'est juste de la chance. Non, mais ça fait trois fois d'affilée que j'ai le même. Non, mais oui, mais je veux dire, est-ce que maintenant c'est toujours ce bouton au milieu? Tu dis quoi, toi? Je vais cracher le morceau. Je pense pas qu'il y ait d'interrupteur dans les poubelles à côté de la poubelle rouge. Ah, donc oui, non, c'est vraiment. Tu trouves pas les interrupteurs? T'as regardé la poubelle qui est à côté de la poubelle bleue? Oui, non. Ah, oui, donc d'accord, maintenant c'est cette poubelle obligatoirement. Ah, écoute. C'était un petit peu long quand même. Tu sauvegardes de manière random, alors du coup je le fais aussi. C'était un petit peu pénible avant quand même. Allez, on va voir monsieur. Monsieur j'ai Bob. Pas vu qui j'avais en premier. Les baby Pokémon. Allez, peut-être que Amandine peut. Ah, va le bluffer, t'inquiète. Bob. Allez. Allez, bienvenue à l'arène de Carmin-sur-Mer. Ici on pose son barda et on se dépêche au combat. Ma parole, un rookie qui débarque, c'est la journée porte ouverte ou quoi? Tu veux me défier avec ton petit niveau, t'as pas froid aux yeux, soldate. Qu'est-ce que tu crois? Les combats Pokémon, c'est la guerre. Compte sur tes dents, tu vas morfler. Baby Pokémon, Pokémon électriques vont t'atomiser. Je suis un frimeur. Oh non, pas Voltorb. Qu'est-ce qu'on peut faire contre Voltorb? Tunnel. Il va faire destruction. Là, il n'y a pas de choix, il faut faire tunnel tout de suite. Baby. Oh non, pas tonnerre! Wow. Bah oui, baby, forcément. Hein, bah non, sinon ça aurait été drôle. Imaginez un peu. Hein, baby Pokémon! Oui. T'imagines un peu, toi? Imagine un peu, il meurt pas. C'est top, merci, ça fait plaisir. Baby. J'avoue que là. Bon bah j'ai déjà un Pokémon qui est hors combat. En même temps, il a je sais pas combien de niveaux d'avance aussi. Baby. Mais non mais c'est pas possible, mais je peux pas jouer dans des conditions pareilles. Baby. Pourquoi vous faites ça? C'est de la triche. Tu aimerais des guérisons, n'est-ce pas? Bah oui, donner des guérisons aussi, je sais pas. Pourquoi les CPU ils ont... Tu auras le droit quand tu auras plus de... Pourquoi les CPU ils ont le droit et nous non? Baby. Hein? Voilà, hein, bah... Attendez, moi je veux vampigrainer si c'est comme ça, hein. Voilà, tiens, prends le vampigraine. Ouais, fais des météores comme ça, moi je m'en fiche, je me soigne, je suis content, voilà, hop. Est-ce que t'en es où dans sa barre de vie? Ok. Pas très loin. Oh, t'es quand même à la moitié. Bon, est-ce que Volvi ça fait vraiment des trucs? Il va faire super mal. J'aime bien parce que c'est pas très efficace, mais ça fait quand même mal. Mais oui, mais tonnerre, c'est super fort comme attaque aussi. Purée, il est pas mort, il est sérieux. Bon, bah attendez, vous savez quoi? Moi, je vais faire la technique de la triche. Regardez. Hop. Bon, vous savez quoi? Hop. Attends, ça a pas fait de super potion? Mais si, j'ai soigné. J'ai eu peur. Bon, voilà. Voltorb, il est en moins. C'est déjà ça. Et toi, tu veux retourner dans le bleu? Non. Dommage. Dommage. Magnéti. Ah, c'est dommage que j'ai pas eu le temps de guérir de la paralysie. Je sais pas si Magnéti, Amandine, va y arriver. J'ai envie d'essayer. Allez, Amandine. Le problème, c'est que moi, je suis paralysé, quoi. C'est ça qui me fait peur. T'es paralysé, mais t'as toute ta vie, alors que moi... T'es pas paralysé. Mais j'ai presque plus de vie. Bon, je vais utiliser l'antipara. Parce que bon, si jamais je fais tunnel et qu'en plein milieu du tunnel je suis paralysé, ça le fait pas quand même. Oh mais non. Bon bah ok. Je ne pourrais pas tester. Vous êtes top les gars. Vous savez que je dois entraîner ce Pokémon? Rien à faire de l'entraînement. Ah mais oui, mais en fait, je vais rien pouvoir lui faire. Lui, il va me faire super mal. Ouais, mais il fait trop mal. J'ai perdu mon deuxième Pokémon.
au top. L'avantage, c'est qu'on a eu un rappel, alors peut-être que... Mais toi, peut-être que tu vas pouvoir tout faire avec Evo Flambeau. Je sais pas, honnêtement, parce que le prochain Pokémon, c'est probablement... Raichu. Raichu. Allez, double pied. Bon, je vais le tuer. Oh, j'ai fait un coup critique sur le deuxième coup de pied. Même si je ne pense pas m'en sortir. Parce que là, je sais pas par quel miracle... Mais non, ça va. J'allais dire, je sais pas par quel miracle je suis plus rapide. Mais si, c'est bon. C'est facile d'être plus rapide. Bon, alors, qu'est-ce que ça va donner à un Pikachu contre un Raichu? Mais non, mais là, par contre, j'y crois pas. J'y crois carrément non, ce Raichu, quand j'étais petite... Non, je peux plus changer de Pokémon. Il était vraiment difficile à battre, je trouve. Je vais tenter. Voilà, tonnerre. Oh, au revoir, c'est bon, j'ai mouru. Bye bye. Oh non ! Oh, je suis pas mort ! Il fait double pied aussi ! Oh bon, je vais utiliser la potion. Parce que Nikochu a du mal. Ce combat incroyable. Tu es très reconnaissant. Vous êtes sérieux? Vous faites que spammer tonnerre? Pourquoi toi ils spamment pas tonnerre? Moi ils spamment, ils font que ça. Et moi aussi c'est peut-être pas intéressant. Je veux dire là si je fais tonnerre sur Raichu, ça va servir à rien. C'est mieux double pied. Ah bah. Et lui aussi il fait tonnerre. Et toi tu vas perdre tous tes points de vie, regarde. Sauf que bah là c'est le dernier Pokémon en fait. Je n'ai plus de potion, je n'ai plus rien. Alors à moins que je rappelle Dame Frésia et comme ça toi tu peux utiliser Herbizarre, même si bon, est-ce que ça va vraiment être possible? Moi, je m'en fiche, en tout cas Cocoa n'est plus utilisable. Incroyable. Ah bah tu sais quoi, attends, du coup si elle n'est plus utilisable, moi je peux faire ça, hein. Voilà, pour perdre un tour. De toute façon il va me tuer donc c'est pas grave, a priori. J'avoue, j'ai envie de tenter du coup le... envie de tenter le tunnel. Je vais tenter le tunnel. À tous les coups il va faire vive attaque et je vais mourir direct. Les chats ça chasse les souris, non? Mais oui, mais en fait j'ai pas beaucoup de points de vie en fait. Tes rappels ça donne rien comme point de vie. Alors? Ah bah oui, il fait tonnerre. Et hop! Voilà, c'était... Elle c'était est par de la curiosité, hein. Il est plus rapide. Le problème c'est que moi je vais le tuer du coup je pense. C'est vrai, tu vas le tuer. Tu vas encore avoir une pénalité, tu penses? Ah, mais là, c'est clairement pas. Ah, mais tu l'as brûlé en plus! Mais oui! Mais oui, mais toi, tu peux tout faire! Oui, moi, je peux tout faire, mais voilà. Et non, il est même pas mort! Mais non, moi, j'ai encore rien fait! J'ai encore rien fait! Ah, actuellement, il est mort, en fait, pour de vrai. Alors bon. Je le vais probablement reset si jamais tu perds. Enfin, quand même. De toute façon. Je fais que tricher pendant ce défi, de toute façon, je le sais. Il va me faire coup critique. Wow. Oh merci Dame Frésia. Wow. Ça me fait plaisir de pouvoir compter sur Dame Frésia. Surtout que là, j'ai vraiment zéro potion. Mais en fait, j'ai zéro potion, j'ai zéro Pokémon, en fait, là. Je ne peux plus rien faire. Je crois que j'ai encore des rappels, en fait. Ah si, j'ai une potion. Est-ce que les potions, ça marche sur Dame Frésia ou est-ce que je vais juste mourir? Parce qu'après, je peux rappeler Nikochu. Ça me donne pas mal d'objets. Il me fait perdre autant de points de vie que ce que j'ai gagné. Donc je ne sais pas trop. Mais d'un côté, c'est mon... Non. Non, mais... Si, j'ai 10 PV en plus. Oui. Mais après, tu sais pas, c'est pas tonnerre. Non, mais tonnerre, ça sert à rien. Je suis... Non, mais je vais jamais survivre à un prochain coup. Je vais jamais survivre à un prochain coup. Et oui. Bon, bah là, officiellement, je ne peux plus jouer. Bah oui, du coup. C'est l'heure de la revanche. Je sais pas du tout quoi faire. Oui, non, mais... Je sais pas. C'est insane, ce Pokémon. Ça sert à rien. Pika Sprint. Enfin, coup critique, ça sert à rien. Ça te permet de l'achever quand même, si jamais à un moment.
Ouais, mais là, au prochain tour, il me tue. Et j'ai plus de potions. Ah si, j'en ai encore une. Cool. Ouais, je vais tenter le coup de boule, moi. Regardez, il va faire coup critique, paralysie. Oh. Coup de boule. Ça fait combien de dégâts? Du presque. Je sais, non, mais ça fait trop mal. Du coup, c'était mieux coup de boule. Ouais, je pense. Hein. Oh, mais t'es plus rapide que lui. Eh oui. Ah, mais lui, il fait beaucoup plus mal. Ouais, ouais, bah. Il fallait évoluer ton baby Pokémon. Alors après, je veux bien essayer de tenir le coup, mais... Mais j'ai plus que Ortiz qui a genre 6 PV, alors je pense que je vais pas tenir. Et tu peux plus te soigner, là. Non, j'ai plus rien. Ah mince. Bah, j'ai eu 2 potions, qu'est-ce que tu fais? Moi, je switch. Oh mais non, mais non, mais ça va pas du tout. Je vais refaire Pika Sprint parce que j'ai trop peur qu'il fasse Vive Attaque. Il a fait Vive Attaque, il est sérieux? Bon. Moi là, je vais mourir. Ah, voilà. Dommage. Mais là, je peux pas. Je sais que le combat est impossible. Mais là, je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Je suis obligé de perdre en fait. Ça revient au même que la dernière fois en fait. J'avoue, c'est exactement la même situation. J'ai le même destin en affrontant Major Bob. Mais non, tu peux ressusciter ton Pikachu, mon Evoli est vivant cette fois. Mais oui, j'aurais dû faire ça. Au lieu d'utiliser une potion. Surtout qu'en plus, je fais ça, je rappelle Pikachu et puis je fais Pika Sprint et il meurt normalement. Oui, tu peux. Parce que j'ai bien réussi à garder mes 2 Pokémon vivants. Justement, j'ai switché pour que Evoli reste vivant juste pour toi. Ah, c'est gentil, merci. Oui, parce que bon, en fin de compte, si j'ai perdu tout à l'heure, c'est parce que aussi Amandine, elle a pas pu faire tunnel sur Magnéti. On remercie Brony de... Le coup de la victoire! Bien joué! Ouais, tu as gagné face à un Pokémon qui a 10 millions de niveaux d'avance. Ah bah oui, mais aussi, fallait pas changer de Pokémon dans votre équipe quand vous avez capturé tous les Caninos et tous les Goopix. Non mais c'est bon, on va s'entraîner un peu. Oh là là, vous êtes vraiment on trop voit bien, fort. On voit que là, le jeu, il est méchant, donc on va s'entraîner. Tiens, la capacité tonnerre. Vous tire à loin, toi. Tiens, prends le badge foot, c'est mérité. Allez, petit high five. Bien joué. Et c'est pas tout. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite bien d'avoir ceci en bonus. Prends-en bien soin, une dédicace de Bob. C'est quoi cet air déçu? T'attendais autre chose? Ah, je blague, soldat, tiens, cadeau. Tonnerre, tonnerre. La CT contenant tonnerre, ça dépote à 10 millions de volts. 10 millions Pokémon électrique. Ah, eh non, regardez. Ah regardez, oui, regardez. C'est pas là, je vais faire un petit peu de bruit. Ce n'est pas un Pokémon électrique, et je vais l'apprendre à Amandine. N'est pas ça. Peu fier, il salue la foule en remuant la queue. Ah, c'est cool. Bon, bluff, c'est rigolo au début, mais pour l'aventure, c'est pas très utile, je pense. Ça lui fait plaisir. Bon, et bien, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais quand même sortir au cas où il y a des petites cinématiques. On nous dit, tout ça. Oui, c'est trop nul la vie. Regarde, cet arbre repoussé, c'est magnifique. Tu dois aller à l'avant-ville. Comment ah non, mais ça repousse. Ah, bah attends, super déjà, il y a Ondine. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, forcément, je veux nous parler. Tiens, salut la forme, c'est bon, t'as gagné contre Major Bob, toutes mes félicitations. Tu progresses à pas de géant? Laisse-moi chouchouter un peu ton équipe, elle l'a bien mérité. Oh, c'est gentil. Hein? Ce que je fais ici? Je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau, mais on fait vite le tour, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien varier en profitant des vagues. Et toi, tu vas où comme ça? Tu as fait un tour à la grotte Topiqueur? Si tu vois pas où c'est, je peux t'y emmener, ça te dirait? Pas aujourd'hui, merci. Si tu veux pas, je te force pas, hein. On verra si ça dans la prochaine partie. À mon avis, va, oui, elle va nous aider. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo où, ça y est, le défi du lien commence à montrer son piment dans l'histoire. Et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.